Je suis professeure à l'IUT de Montbéliard. Ce qui m'intéresse, c'est les étudiants, les élèves. Comment est-ce qu'on fait pour être heureux à l'école? Comment est-ce qu'on apprend? À titre personnel, moi je suis intéressée par plein de choses, plein d'expérimentations, mais j'avais jamais un regard d'expert qui me disait si c'était bien, si c'était pas bien, comment on pouvait améliorer. Et j'avais besoin d'un cadre. Et c'est pour ça que le projet de thèse, il est arrivé au bon moment. Et donc c'était le principe de basculer du statut de professeur au statut d'enseignant-chercheur. Pour moi, la thèse, c'était une vraie remise en question de mon processus mental, de mon rapport avec mes élèves. C'est pas facile, mais ça vous porte. Et puis ça vous donne du peps dans la vie, ça vous donne de l'énergie, ça vous donne envie d'avancer. Et l'enseignement, ça bouge beaucoup. C'est pas quelque chose de figé. Ma thèse en 180 secondes, je pense que c'est un défi de plus, mais c'est aussi un plaisir. Et je pense que là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on va vivre avec les jeunes, la présentation, c'est du partage et c'est en même temps une bonne énergie. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On le fait pour eux, on le fait pour les élèves. Donc c'est, je pense, la finalité de 180 secondes utile, je l'espère.